Bonsoir! Alors, ce soir, on fait un petit this or that. Si vous voyez cette vidéo, c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai pas filmé. Vous allez avoir un demain, hein? Voilà. Demain. Fait que aujourd'hui, on fait un this or that. Ou en parfait, tu préfères quoi? Alors, dans le fond, le choix est simple. Je te donne deux choix, puis tu choisis lequel t'as mieux entre les deux. OK. Ouais, mais tu préfères quoi? Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, c'est fun parce que ça amène à la discussion, puis c'est ça. OK. Voilà. Alors, $1 million dans ton compte en banque ou un QI de 145 et plus? $1 million dans mon compte en banque. Moi aussi, clairement. Moi, t'es intelligent, ça m'intéresse pas. Ben, moi, je dirais $1 million parce que le $1 million, je pourrais aller à l'école. Comment? Ah oui, c'est notre invité encore une fois. Oui, la patate, là, c'est la patate. Voilà. Ouais. Puis là, en plus, on est habillé pareil. Ouais. Et un chat ou un chien? Un chien, un chat. Définitivement. Un chat, chien. C'est déprimant. Un chat, c'est vraiment plat, ça passe. C'est déprimant, puis ça sert à rien. Ouais, ça reste là, puis ça fait. Ouais, oui, un chien. Tu sais, un chien, faut que tu t'en occupes, tu vas le prendre des marches. Ben oui. Tu peux le dresser. Ah oui. S'il y a de quoi faire avec ça, un chat, ça sert à rien. Il faut avoir peur de visite, puis se cacher en arrière à la bouche. Clairement. Avoir 6 frères ou 6 sœurs? 6 sœurs. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Moi, avoir 6 crises d'adolescence de yo-man, les culottes à terre, ça me tente pas vraiment. Je préfère avoir des filles qui se tirent les cheveux, puis qui se. Ça fait de l'action. Ouais, vraiment. Ouais. Ok. 6 sœurs. Ben moi, je pense que je dirais 6 sœurs aussi parce que ça me tenterait pas de voir mes 6 frères se ramener des filles à la maison. Juste pour ça. Ouais. Ouais. Genre faire Arc, c'est elle, ta sœur. Mm. Ouais, ouais. Une carrière réussite ou une famille heureuse? Une famille heureuse. Moi aussi. Vraiment. Ouais. Famille parce heureuse. Que c'est pas parce que t'as une carrière qui est pas réussite. Que tu sais, je sais pas si c'est vrai. Ouais. Puis tu sais, tu peux avoir une carrière qui n'est pas réussite mais qui est payante. Fait que tu peux subvenir à tes besoins de ta famille heureuse. C'est ça. Adopter un chien ou un bébé? Dans mon cas, je vais dire un bébé. Ouais. Moi, je vais dire un chien parce que je peux porter la vie. Ouais, ben, pas moi. Batman ou Superman? Je sais pas, moi, Batman. Moi, je vais dire Superman parce que. C'est pas mal, mais tu sauves les vies, pis tu fais t'es genre... Oh, Superman? Ouais. Encore que c'est Spider-Man. C'est Spider-Man? Hey, wow! Hey, Superman, on voit qu'elle connaît ça, les super-héros. Hey, je connais tellement ça! Non, Superman, c'est l'espèce de ticoune en collant avec sa cape. Ouais. Péter à une first date qui va bien, ou avoir une first date malaisante? Ah, je préfère péter dans une first date qui va bien. Ouais, moustou, clairement. Ouais. Oui, fun fact. Mon chum, notre first date, il a pété. Puis aujourd'hui, ça fait. Ça va faire 8 mois et demi. C'est ça, ça va faire 8 mois et demi. Fait qu'elle pète finalement, il est pas. Oh, perdre tous ses poils ou tous ses ongles. Tous mes poils. Non, plus de cheveux, plus de sourcils. Je pense à ça. Ah, ok. Hein? Moi, je dirais toutes mes ongles. Toutes mes ongles, parce que tu peux mettre. Ouais, non, mais mettons. C'est parce que. Ouais, mais mettons. Tes ongles, ça repousse. Tes paires totales, là. Ça repousse pas, là. Ouais. Tant qu'à ça, tu mets des faux ongles. Mais c'est pas que ça dirait que ça pousse ma vie de main, est-ce que? Hey, on s'en foutu. Ça va tomber, il y a une main de nez. Hey, ça me tente pas, moi, de me promener dehors au mois de juin avec un bonnet bien sur la tête parce que j'ai plus de cheveux, là. Et t'es obligé de me faire des fossiles. T'as dessiné, pis de, tu feras du maquillage permanent. Ouais, pis les cheveux, ça. Pas ah, ouais, dans le fond. Ouais, c'est même moins de trouble. En plus, c'est pas besoin de les laver. Moi, j'aurais même plus besoin d'avoir vu. C'est vrai. Mm. C'est vrai. Aïe. Puis bam. Fini. C'est terminé. Tu mettrais une perruque. Hey, mais hein, même plus besoin de te laver les cheveux. Ben non. Hey, les shampoings, les revitalisants, les cils, les anti-pelliculaires, toutes les shit qui existent, c'est terminé.
Tornique. Ta perruque est laite, t'as fou les vidanges. Tu vas avoir les cheveux bleus, t'as même pas besoin de te faire une teinture, t'achètes une perruque bleue. Puis si tu trouves ça laite, ben t'as change. Voilà. Hey, c'est malade, je vais mettre des perruques. Manger de la nourriture pour chat en canne ou manger ta propre merde. Ah, de la nourriture de chat en canne, certain. Oui, parce que c'est... Bœuf. Ou au poulet. Poulet. Au saumon. Saumon, peut-être pas, là. Oh, la laine de poisson, ouais, non. Ah, oh, licher un ventre poilu ou licher une vache morte. Arc! Dans les deux cas, c'est vraiment dégueulasse. Ah, le ventre poilu, là. Ben oui. J'espère, la vache morte, c'est juste dégueulasse. Ouais, vraiment, c'est nécrophile, en tout cas. C'est nécrophile, puis c'est zoophile sur un temps. Ouais, puis, arc. Licher un orteil d'un ongle garni avec du pus ou manger une touffe de poêle. Je vais manger la touffe de poêle, là. Moi, le fétichisme, juste un pied qui sort de la douche, qui est propre, pis tout, ça me lève le cœur. Manger de la marde de quelqu'un que tu connais pas. Ouh! Un fétiche de bébé mort! J'avoue que ça... C'est dégueulasse! Dans les deux cas, c'est vraiment dégueulasse. Ouais, madame! Hey boy! C'est dark en même temps. Ouais, quand même. Bon, quand on regarde ça... La marde, ça pue, c'est dégueulasse. Pis tu sais pas ce qu'il y a dedans, tu sais pas si c'est sain ou quoi que ce soit, parce que tu sais pas si tu l'as chié. Pis sinon, ben c'est un arc. En même temps, un placenta, il y en a qui mangent ça pour vrai. Du coup, là, prendre une bouchée de putain. Une bouchée de patate. On pas garde. C'est dégueulasse! Il n'aime pas les patates! Mais bon! Il y a un garde en plus! Pour les biens de la cause, j'ai mangé ma patate. Mais si vous reconnaissez bien, fait tag avec Antoine. Ça fait genre 15 fois qu'on en recommence. Ouais. Quand vous vous laissez là-dessus. On se dit à demain. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et de mettre un pouce bleu. Bye. Je dis bye. 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 Bye.